Avant de revenir à l'actualité, encore une touche personnelle, je vois qu'il y a une chaîne pour écouter la musique. Vous écoutez la musique en travaillant, et qu'est-ce que vous écoutez dans ce cas-là? J'écoute essentiellement du Bach quand je travaille. Parce que Bach, c'est mathématique, c'est assez mélodique et c'est totalement profond. Donc ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, sans rien perdre de la musique et sans rien perdre de ce que vous lisez. Mathématiques, méthodiques, ça vous ressemble beaucoup. On voit vos dossiers, ils sont très très bien classés. Quelquefois, on peut dire, est-ce que finalement, il ne manque pas de créativité? Est-ce que pour faire face aux problèmes de la France aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas peut-être innover? Mais moi, j'ai jamais confondu la créativité et le désordre. J'ai vu de grands créateurs qui avaient de la méthode et de la rigueur. Maintenant, si pour être créatif, il faut être désordonné, brouillon et inconséquent, je préfère laisser le soin à d'autres de l'être à ma place. Alors, Créativité, méthode, ça va très bien ensemble. vous allez, Je vous j'imagine, assure. le démontrer dans vos fonctions.